Nous jeudi à de jeudi de août 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la cave capable côté pour pratiquement quatrième sortie téléjournal pour semaine si là, étant donné que c'est pratiquement première sortie téléjournal ensemble avec moi pour moi de plein à profiter souhaiter tout le monde passer un très bon mois d'août en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. Rapidement, on a fait au principal point cap précis qui est le journal matin. Pour nous faire connaître inspecteur général Carl Henri Boucher installé mercredi 1er août là comme nouveau directeur central police administratif. Yon l'autre bois, inspecteur Joanny Caneus prend fonction comme directeur central police judiciaire. C'est inspecteur général en chef Ralph Stanley Jean-Brice qui dirigeait cérémonie installation Silayo. Assise criminelle avec assistance juridique a poursuivi dans palais justice Port-au-Prince. Tribunal a condamné Deus Alexandre pour 9 ans de prison avec travaux forcés pour cause assassinat. Commission économie et finance Sénat République la continue à rencontrer plusieurs secteurs sur le budget rectificatif là. Mercredi 1er août la commission a organisé une réunion de travail avec forum économique secteur privé avec une analyse budget 2017-2018 là. Et puis à l'échelle internationale, 20 personnes déjà perdu la vie dans l'épidémie Ebola dans l'Est République démocratique Congo. D'après un annoncé ministre santé a fait après une semaine côté au fin annoncé le rive mette bout à virus Ebola qui t'appelle saccagé nord-ouest pays ici là. Nous allons dans le pays Zimbabwe pour nous faire connaître deux jours après déroulement élection présidentielle. Une grosse violence éclaté dans le pays Zimbabwe à cause opposition dénoncée élection ça qui d'après yo élection ça chargé à fraude. Voilà, c'est ensemble pour ça qu'on peut le capillon faire ici, c'est le journal pour jeudi 2 août. Là, n'a pas vite été branché, n'a pas tourné dans quelques secondes tant qu'il n'y a pas de glace. Merci parce que toujours été bien chez Télévision Nationale d'Haïti. N'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans l'information. J'ai qu'une annonce, Hélène Santitio, n'a pas démarré pour une fois qu'on a une commission économique et financière. C'est la République là, continue à rencontrer plusieurs secteurs sous budget rectificatif là. Ministre Finance a été déposé dans le Sénat République là, dans date 28 juin passé à. Mercredi 1er août la commission finance a organisé une réunion de travail avec forum économique et secteur privé dans l'idée pour analyser le budget 2017-2018 là qui évalue à 156 milliards gouttes. Président de la commission économique et finance Gakwa, sénateur Jean-Yves Gobelizé a dit satisfait pour un point qui était discuté pendant le compte si la sénateur Jean-Yves Gobelizé a tenu micro cette fois par qui à Moïse Oulbich n'a pas vu te suivre. Raison fondamentale qui fait que nous rencontrons fort économique là nous connaissons c'est commerçants yo c'est monde qui fait business en pays là qui ont un rôle important pour jouer dans le budget national là. Parce que c'est à partir de taxes et impôts qui vont collecter recettes qui vous permettent et bien qu'il y ait un investissement fait qui vous permette le pays à fonctionner. Ça veut dire que c'est un secteur qui est très important. C'est ça que fait l'analyse budget rectificatif là et même l'autre budget qui va venir. La très important pour nous, Chita avec eux. Si nous constatons que nous avons seulement 145 milliards de gouttes environ comme niveau de recettes dans le pays, y compris donc des prêts. Donc ça veut dire nous garder quantité de corps, nous arriver collecter dans le pays, il pas suffit pour nous faire payer à fonctionner. Étant donné que le budget vient devant nous, nous ne connaissons pas qui discussion a été faite avec l'exécutif là, nous-mêmes, c'est des bons temps pour que nous rencontrions avec eux pour nous donner une compréhension des budgets, pour nous donner une idée. Donc son rencontre était très intéressante, très enrichissante. Il n'y a pas de ménager point de vue. Ils ont dit nous tout ça, ils ont pensé des budgets et ils ont fait nous des suggestions aussi, que nous-mêmes nous notons jusqu'à présent. Puisque avant que nous rencontrions avec certains ministres, comme il s'agit d'un budget rectificatif, nous ne pouvons pas prendre en compte tous les ministres. Donc là, avant de nous rencontrer avec certains ministres, comme le ministre des Finances, ministre de Planification, nous devons rencontrer avec le secteur ça, pour que yo di nou ki sa yo pense de budget. Pa bliye n ap reprann ni budget 2017-2018 al devote budget initial la débat en pile en pile parler en pile. Nous même nous voulons que les budgets rectificatifs la fin voter pour que pa gen tout parler en pile ça parce que suggestion que secteur yo fait nous va prendre en compte
pendant que nous avons voté le budget. Nous pas dit nous pouvons prendre toute situation à 100%, puisque normalement c'est l'exécutif qui est pour responsabilité pour faire le budget. Nous-mêmes nous avons pour nous voter, mais le budget a dû cadrer avec la situation actuelle du pays. La déformation dans le journal là, inspecteur général, inspecteur en chef police nationale là, Ralph Stanley Jambris installé, inspecteur Joanne Canelius mercredi 1er août là comme directeur central police judiciaire. Dans l'occasion, Ralph Stanley Jambris rappelé nouveau responsable DCPJA, défi capitaine Nina Poste Silla, pendant les déclarer les croix de compétence et de professionnalisme, Joanne Canelius. Nous avons invité à suivre plus d'explications dans mes colonnes. Les gens lui avec Michel Joseph. Votre rôle, monsieur le nouveau directeur central de la police judiciaire, est capital. La lutte contre la grande criminalité, contre la grande délinquance, est une lutte ardue, difficile. Cette lutte réclame du courage que vous en avez. Nous le savons tous. Cela requiert également un sens aigu du commandement. Vos longues années d'expérience seront d'une très grande utilité à la tête de cette entité extrêmement importante pour la PNH, qui est la Direction centrale de la police judiciaire. Cette entité est non seulement capitale pour la PNH, mais également pour le pays tout entier. Vous aurez à travailler ardemment pour combattre le kidnapping, un fléau dans notre société. La DCPJ a accompli des progrès immenses et nous sommes certains que sous votre commandement, cette direction ira de l'avant. Vous êtes condamné à faire mieux. Vous êtes condamné à progresser. Le commandant-chef compte beaucoup sur vous. Il a su vous donner, il a su placer en vous sa confiance. Nous sommes certains que vous serez à la hauteur de la tâche. Le pays tout entier verra vos résultats. Plus d'informations dans le journal la nouveau directeur central police judiciaire, Joanne Canelius, dans le discours, remercie au commandement PNH qui choisit le pour occuper poste. Si là, Joanne Canelius qui promet de faire le travail pour combattre la criminalité et mener une bataille contre la délinquance en d'un pays, mais des populations collaborer avec lui dans le cadre d'exercice fonctionnel afin de suivre le nouveau responsable de CPJ. Je ne pourrais m'acquitter de ma mission. Produire des résultats tout utiles à la communauté sans l'appui de mon directeur général et sans la collaboration inconditionnelle des partenaires régionaux, bilatéraux et même multilatéraux, dont le support à la police nationale d'Haïti est toujours sans faille. À vous, policières, policiers et employés de la direction centrale, en vos titres, grades, et qualité, je dirai que je serai toujours à l'écoute de vos doléances. Pendant que j'en profite pour vous faire comprendre que je compte sur vos expériences, vos compétences et votre savoir-faire dans la lutte contre la grande criminalité, dans le travail quotidien du policier, notamment
des policiers de la direction centrale de la police judiciaire en vue de permettre à chaque membre de la communauté, à chaque citoyen de vaquer librement à ses affaires, de marcher librement, car notre devise servir et protéger par rapport à notre mission nous oblige à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la sécurité soit bien garantie. Inspecteur général en chef Ralph Stanley Jean-Brice, installé toujours pendant journée mercredi 1er d'août, l'inspecteur général Carl Henri Boucher comme un nouveau directeur central de police administrative. Cérémonie sera déroulée en présence membre au commandement la police, la commissaire, inspecteur, cadre, divers personnels, l'institution Sila Rachel Sinforak, Hervé Pierre a présenté un compte rendu à M. Bassam. Poste directeur central police administrative là, c'est une fonction qui gagne plus d'importance selon inspecteur général en chef là, Ralph Stanley Jean-Brice, qui fait connaître police administrative là, c'est premier pilier dans la sécurité publique là. Inspecteur général en chef là, rappelé nouveau directeur central police administrative là, inspecteur général Colin-Henri Boucher, mission li gagne pour augmenter présence de la police dans l'area. Vous aurez donc cette mission essentielle, inspecteur général Colin-Henri Boucher, d'augmenter la présence policière à travers les routes. Vous aurez à faire le reparti entre les unités spécialisées et les unités territoriales, dont les missions se confondent maintenant, mais qu'elles soient distinctes. Nous devons protéger les unités de police territoriales, CIMO, UDMO, en premier lieu, de certaines tâches dévolues à la police administrative. Ces unités se doivent de faire uniquement leur mission de soutien au commissariat, au sous-commissariat et de maintien de l'ordre. On attend vos touches. La population haïtienne attend beaucoup de choses de vous. La PNH est l'épine dorsale de l'État. Aucun projet ne peut aboutir. Directeur central police administrative sortant, Joanny Canius, remercie membre au commandement la police là, 4 des CPA yo pour supporter Bali pendant temps, il était passé dans tête des CPA. De l'autre côté, inspecteur général Joanny Canius félicite nouveau des CPA pour travail qu'il fait dans la police à travers l'autre poste qu'il était occupé yo et puis pour mettre conseils et expérience yo à disposition nouveau des CPA. Le rôle que vous avez joué quand j'étais à la tête de la direction centrale de la police administrative, ce rôle a été bien joué. Et les véritables bénéficiaires, c'est la population. Continuez sur cette lancée. Je vous ai suivi sur le terrain. Je suis sûr que, en raison de ce que j'avais vu, de ce que j'avais observé, si vous mettez tout cela en pratique, eh bien, vous serez un bon directeur central de la police administrative, un bon DCPA. Mon cher, bonne chance, bon travail, succès, courage. Nouveau DCPA Colin-Henri Boucher exprimé gratitude envers le directeur général de la police là pour confiance il fait pour mettre le poste ça pendant le promet pour mettre formation et expérience pour bien remplir mission et confier. Au personnel des différentes unités qui relèvent de la direction centrale de la police administrative et au personnel policier et administratif en général, je promets une oreille attentive aux recommandations ainsi qu'une atmosphère empreinte de confiance et de respect mutuel. Nous devons faire en sorte que le travail qui nous est confié et qui est d'une importance capitale pour la sécurité de la nation soit exécuté en étroite collaboration. En ce qui me concerne, il sera ainsi. J'attends de vous la même détermination. Selon le responsable bio-installation, ça c'est une parmi en sans disposition directeur général la police la prend pour faciliter l'institution puis bien remplir mission qui s'est protégée à servir.
Sénateur département Sidla Pierre François Sidor salue quelques changements qui opéré dans haut état-major police nationale là vice-président Sénat dit lui souhaiter changement ça va permettre institution police là bailler plus bon résultat dans travail avec plus professionnalisme dans garantie sécurité population Sénateur Pierre François Sidor dans micro c'est quoi pas qui a Moïse Beach n'a pas invité sur Nous sommes optés pour au niveau de la direction générale de la police. Pour faire changement, ça, nous pensons que c'est un changement qui rentre dans le cadre de fonctionnement de la police nationale par rapport à la situation. C'est ça seulement qu'a dit là-dedans. Député circonscription Fondenegla Iverno Guerrier dénonce les actes violence et insécurité commune Fondenegla connaît depuis plusieurs jours. Député Iverno Guerrier dit les condamner action un groupe individu qui t'a voulu qui t'a metté du fait dans banque nationale crédit Fondenegla mardi 31 juillet passé. Député Iverno mandé autorité PNH là pour renforcer la police dans commune si là député Iverno Guerrier dans micro c'est quoi par qui accueille Message à directeur général de la police nationale. Donc, et pour le connaître que Fondeneg, à Fondeneg, et donc qui pour sillonner la commune. Donc, ça veut dire que c'est une commune côté que dans le large à Brest la donne. Donc, puis il faut aussi commerce fait, du commerce vivre. Donc, nous avons besoin de policiers qui pour quadriller les zones, donc qui pour bailler la sécurité possible. Parce que l'on moun attaque la banque, c'est comme si on attaquait tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui gagne contre la banque. Moi-même tout, je attaque moi. Donc, nous avons souhaité que y ait des mesures drastiques qui prennent au niveau de la police et de la justice. Donc, pour être capable de chercher les coupables. Et cette fois-ci, pas de question et enquête se poursuit. Non? Donc, ça veut dire qu'on est là. Donc, il faut qu'on rentre. Normalement, eh bien, chercher coupable, vrai coupable, d'accord? Parce que nous connaissons, Gendoua, ce n'est pas Moun Fondeneg qui fait, mais c'est sous complicité Moun Fondeneg qui l'a fait. Donc, dans ce sens-là, nous déplorons ça qui est là. Réduction violence communautaire, prévention délinquance, Kajanyo, sinon, Kajanyo, dans zone Kafoufé, Matissan, sinon, yon projet office protection citoyenne, en tête collée avec l'organisation Terre des Hommes, lancé mercredi 1er août, là, dans Port-au-Prince. Projet ça qui jeune support mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti, doit permettre renforcement capacité de travail aux entités dans l'État, tant que IBS, ministère conditions femmes avec droits femmes, et puis ministère justice avec sécurité publique, demain, pour réduire délinquance avec taux insécurité dans la commune Matissan, avec la commune Carrefour. Il y a même de suivre un reportage avec John Herbica, c'est lui, Moïse Lebouch. Projet réduction violence communautaire et prévention délinquance Kajen qui est dans la zone Matissan à Kafoufeye. C'est une initiative qui permet l'État haïtien de réduire les violences qui conviennent Matissan à Kafoufeye. C'est l'organisation Terre des Hommes et Mission Nations Unies qui a appuyé la justice en Haïti, Minijust, qui vient avec le projet ça. Dans le cadre de travail, ça, responsabilité soutien par l'État haïtien à travers l'action menée pour réduire les actes de délinquance, actes d'insécurité qui gagnent dans Matissan à Kafoufeye. Je dois souligner que ce projet est fait en étroite collaboration avec notre unité de droits de l'homme présente ici et plus particulièrement dans le cadre d'un appui aux institutions nationales pour renforcer cette dynamique par rapport aux populations les plus vulnérables. Dans le cadre de la mise en œuvre d'une future stratégie de protection du système des Nations Unies, mais aussi dans le cadre de l'appui à la politique de la police nationale et de la du ministère de la Justice dans la pacification et le renforcement de la de la violence communautaire dans les zones les plus touchées. Projet réduction violence communautaire à prévention délinquance Kajen Matissan à Kafoufeye doit durer environ 10 mois. Projet ça concerne les gens qui sont en situation reste avec femmes qui sont handicapées dans la prostitution accidentelle qui sont petites sans papa. Je pense que ce projet va offrir aux jeunes de Kafoufeye et de Matissan ce qu'ils tout ce qu'elles ont droit d'en attendre. Participation à la vie collective,
possibilité d'acquérir un emploi, d'occuper leurs loisirs. Ce projet est porteur d'espoir pour les jeunes et les familles de ces zones, souvent appelées zones de non-droit, doit être perçu comme le ilan-ilan qui verra son parfum répandre dans la nuit des temps à venir sur la société haïtienne tout entière. C'est au total 12 264 588 goudes qui sont disponibles pour réalisation du projet ça, qui est à deux bouts dans le mois mai 2019. C'est que le projet ça est capable de permettre que dans la zone Matissan, dans la zone de Cafoufeuille, eh bien, situation de violence est capable de diminuer parce que c'est un projet qui peut l'implémenter avec la participation de la société civile, les familles, que nous voyons dans quelle mesure qu'ils sont capables de renforcer les habitants de la zone pour façon pour nous capables de réduire la question de violence qui a fait sous forme et qui a fait sous timon. Institut Bien-être Social et Recherche, ministère Justice et Sécurité Publique, Bureau Protection Minère et ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, ces différentes entités dans l'État qui impliquées dans le projet ça. Merci avec collaborateur non Jean-Yves Cassius avec Moïse Oubritche qui t'a présenté mon reportage ici là non parler dans palais justice Port-au-Prince pour une fois qu'on est assisé criminel yo avec assistance jury a rapoursuivre dans palais justice Port-au-Prince tribunal criminel a condamné Adéus Alexandre pour 9 ans de prison avec travail forcé pour cause assassinat et l'autre côté tribunal a libéré 3 moun audience criminel yo te rapoursuivre pendant journée mercredi à côté tribunal la traité car assassinat, crime sans enlèvement et séquestration. On peut vite suivre. L'autre information, Radio Nationale d'Haïti lancée pour vacances été, une émission tout neuf qui baptisée Micro aux jeunes. Émission ça a un objectif rapprocher plus jeunesse haïtienne à Radio Nationale d'Haïti pendant y a pas musée à informer tête yo. Émission Micro jeunes commence à diffuser sur onde Radio Nationale d'Haïti fréquence 102.1 à 105.3 FM depuis 22 juillet passé à la paix campée 31 août. Capouché là. Sauti lundi pour arriver vendredi, 2h pour arriver 4h. Auditeur yo gen rendez-vous avec animateur Stalof Trop Fort et James Renéus, Marc Olivier avec Johan Setout pour émission Micro Jeunesse sur Radio Nationale. Une émission qui fait dans l'idée pour pendant vacances là, pour jeunes être connectés déjà avec la joie, après avec ambiance vacances là, ça veut dire tout ça qui est pendant vacances, donc on est les vacances, gain championnat, football, basket, gain excursion, gain camp d'été, gain tout ça, en façon pour nous toujours avoir information qui s'est fait dans la zone yo, mais en façon tout pour nous toujours encourager les jeunes yo et dans arrêter dans livre, dans faire lecture et toujours être avec connaissance yo. Donc c'est ça que fait dans l'émission, non pas seulement gon émission jeune côté n'a parlé de star côté n'a parlé de artiste côté n'a passé musique seulement, mais son émission tout qui gagne des rubriques là dedans qui répond une question connaissance générale, nous gagne des primes que n'a pas. Donc son émission qui pour pendant vacances là qui pour bail et on jeunesse là on yon perspective, yon l'idée, yon côté pour lui-même li ressourcer déjà avec nan bonne ambiance musicale, mais tout nan causer blague, nan causer l'éducation. Ça permet de nous connecter avec jeunesse haïtienne, mais tout en même temps public haïtien à travers des rubriques tant pour connexion. Côté que nous ouvrons micro à public là. Connexion, c'est une façon pour nous connecter avec nous, mais pour nous même permettre de connecter avec Ménage, bien Mario, Madame. Nous faisons ça, nous optiques ça, nous baignons au téléphone, radio, et puis on entre en contact avec nous, on dit, mais qui musique t'as aimé dédier à tel monde, une façon pour qui quantité monde qui a écouté l'émission à travers Ubi Connexion. Mais tout, nous qu'on ouvrons micro en tout, public là, lors des émissions que nous qu'on a fait, et puis on relaye, puis on dit, comme côté au branché, côté au jeune vibe là, comme au jeune vibe là. Et grâce avec Jouet YouTube, ça permet nous rester connecté avec jeunesse haïtienne, mais tout avec population, pour capable, comme si,
ouais que Radio Nationale là pour yo et Radio Nationale là pour jeunesse haïtienne. Ça qui fait force les tout, gagner parfois nous déplacer micro Radio Nationale là dans le porter nos activités à travers une rubrique les sacs chauds dans l'activité à nous parler avec un responsable activité à aller faire promotion activité à live dans l'émission et puis nous avons l'autre rubrique tout les sacs à cuite. So responsable activité a nous relé live et puis il parlait nous des activités à les dit mais ça l'a cuite pour jeunesse ça d'une manière positive. Nous revenons au moment pour nous aller regarder qui ça qui gagne dans l'actualité internationale. J'ai que nous annoncer les ensemble titre pour une fois qu'on est 20 monde déjà perdu la vie dans l'épidémie Ebola dans l'Est République démocratique Congo. D'après une annonce ministre santé a fait après une semaine côté été annoncé y arriver mettre bout à virus Ebola qui tape saccagé nord-ouest pays. N'a pas noté une distance de 2700 km séparé deux zones ça qui touché à l'épidémie Ebola virus Ebola été un gros menace dans pays d'après autorité République démocratique Congo yo n'a rappelé que République démocratique Congo déjà fait face 9 fois déjà à l'épidémie si là qui était paraît pour première fois dans l'année 1976. La information, deux jours après déroulement élection présidentielle yo ak législatif yo, gros violence éclaté dans le pays Zimbabwe qui remporté yon tikrasse majorité a. Toutefois, résultat pour présidentiel yo poko publié. N'a pas noté yon manifestant déjà perdu la ville ak yon bal dans l'estomac dans le dernier mouvement sa yo. N'a pas jeune plus information dans cadre dossier sa yo, dans le prochain sorti journal sous télévision nationale d'Haïti. Et c'est là tout, journal arrivé dans le pour matin, mais juste avant de nous aller, nous avons rappelé ensemble un point qui était fait essentiel pour matin, pour nous faire connaître. Est-ce que l'école Henri Boucher installé mercredi 1er août là comme nouveau directeur central de la police administrative? Nous avons inspecteur Joanny Caneus qui fonctionne comme directeur central de la police judiciaire. C'est inspecteur général en chef Ralph Stanley Jean-Brice qui dirigeait cérémonie installation Silayo. Assise criminelle avec assistance jury a poursuivi dans palais justice Port-au-Prince. Tribunal a condamné pour 9 l'année Alexandre Adeus avec travaux forcés pour cause assassinat. Commission économique et finance continue à rencontrer avec plusieurs secteurs sous budget rectificatif. Hier mercredi 1er août, la commission a organisé une réunion de travail avec le forum économique et secteur privé dans le cadre d'analyse budget 2017-2018. Là. Et puis, j'ai nous sommes ensemble dans l'information internationale, 20 monde déjà perdu la vie dans l'épidémie Ebola dans l'Est République démocratique Congo. D'après une annonce ministre santé a fait, après une semaine, côté été annoncé, il y a eu bout à virus Ebola qui tape saccagé nord-ouest pays là. Et puis, dans le pays Zimbabwe, deux jours après déroulement élection présidentielle et législative, gros violence éclatée dans le pays Zimbabwe à cause opposition à pas dénoncer élection sa yo, qui d'après yo chargé à quoi. Et c'est là toujours dans l'arrivée d'un boutique pour matin, mais juste avant nous aller dans la paix, souhaiter tout le monde passe une excellente journée jeudi et dans la paix. Passez rendez-vous dans la plus prochaine sortie de journal là, mais surtout dans la prévue de rester.